Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présente la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Bonsoir, bienvenue au Folies Bergères pour Double Jeu. Pour jouer avec nous ce soir, deux stars du petit écran qui ont enchanté notre enfance, deux héros de séries cultes, sans ses bottes de cuir mais avec son chapeau melon, John Steele. Face à lui, la seule vedette de la télévision qui peut aller se taper une pizza aux Champs-Élysées sans provoquer des meutes, l'homme invisible. De la famille Duraton à Dupont-la-Joie jusqu'au 7 d'or de Bouvard et Pécuchet, son éternelle discrétion a fini par crever l'écran. Dans la ville, il n'a qu'une consigne, celle de la bouteille qu'il vient de descendre, Jean Carmé. Ouais. Pour faire connaissance, mon cher Jean Carmé, je vais me permettre de te poser quelques questions auxquelles je souhaite que tu me répondes sans phare. Ton premier souvenir, c'est quoi ? Ma première respiration, peut-être, oui. On dit que j'ai une grande mémoire. Tout le monde disait dans mon enfance que j'irais loin parce que je me souvenais de tout. Ta première fugue ? Ma première fugue, c'est à 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus exactement. C'était à la recherche d'un bruit, le bruit d'un train. Il passait à Port-Boulay. Moi, comme j'habitais Bourgueil, la voie ne passait pas là. Et on me racontait toujours les exploits de ce train, qui était le Nantes. Ah oui, oui, oui. C'était un train. Je me suis laissé dire que tu aimais beaucoup les trains. Et j'ai voulu voir de près comment c'était fait. Alors je me suis habillé, puis je suis parti. J'ai fait 3 kilomètres à pied. On m'a rattrapé au bout de 3 kilomètres. C'était ma première fugue. Ta première baffe ? Ma première baffe, ça a dû être très jeune. J'en ai pris beaucoup. J'ai été élevé à la baffe. Mais enfin, pas cruellement, mais la baffe, ça... La baffe et la pompe, et le coup de pompe dans le cul, ça, j'ai connu beaucoup. Jusqu'à temps que je cours plus vite que mon père. Ton premier rêve ? Mon premier rêve, il a été provoqué par un ami de mon père qui s'appelait Émile et qui rêvait de nous faire faire un voyage en Amérique. Et alors, il avait inventé pour nous une embarcation qui était un fût coupé en deux auquel on avait mis une voile. Ah oui, ça, c'est le Cuvier, mais il y a eu l'avion aussi. Et oui, c'est un avion qui faisait la vitrine pour les fêtes de Noël chez un marchand de nouveautés de Bourgueil et que... on vous avait donné à Émile et à toi pour l'équiper, lui mettre un moteur avec un élastique qui vous permettrait de traverser l'Atlantique. Ton premier amour ?
Mes grands-parents avaient une petite maison à la campagne, près de Tours, où ils allaient passer les vacances, l'été, quand il faisait très chaud à Tours. Et il y avait un jardin, juste en face chez nous, où il y avait des émanations d'odeur, une odeur que je ne connaissais pas, parce qu'il n'y avait pas de pied de lavande à la maison, et cette odeur m'attirait. Et cette odeur m'attirait si bien que je m'approchais de cette maison et j'ai vu une ravissante petite fille qui allait très très bien avec l'odeur de la lavande. Voilà, c'est poétique. C'est très joli, ça, c'est très poétique, mais il n'y a pas eu une histoire avec une charcutière, non ? La charcutière de Bourgueil, je la regardais d'abord parce que j'avais une grande admiration pour ce magasin, parce qu'il y avait une tenture à ce magasin pour cacher les produits et pour éviter qu'ils fondent à la chaleur. Et ça représentait une peinture à l'huile qui représentait une chasse à cours ou une chasse au sanglier. Et j'allais admirer cette peinture parce que c'était de la peinture à l'huile et que ça avait une certaine réputation. Et quand ça se levait, il y avait là la charcutière qui était très belle, très bien habillée, maquillée. C'était la seule, vraisemblablement, qui se maquillait dans ce pays. Et elle avait une très très belle poitrine avec une blouse à mi-donnée qui lui donnait une forme au sein. Moi qui n'avais aucune idée de ce que c'était qu'une paire de seins à l'époque, j'étais plus encore fasciné par les seins de la charcutière que par la chasse au sanglier. Ta première cuite. Vous savez que moi je suis né dans un pays de vin, donc la cuite est une chose, je ne dirais pas c'est pas une chose obligatoire, mais le grand but c'était d'emmener un Parisien dans les caves et de le faire ressortir dans un état très 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 avancé. Alors il m'est arrivé une fois d'accompagner les Parisiens avec mon père, ils n'étaient pas surveillés, j'ai bu avec eux, hein. J'ai bu comme eux et quand je suis sorti de là, j'étais cuit comme les Parisiens et mon père était fou de rage et de honte. Parce qu'il a dit, il ne tiendra pas le coup. Salut, 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 bonjour. Alors là, c'est pas gentil. Là. Merci, merci. Alors, je ne l'ai pas encore mérité. Ça va venir. Que sera-ce quand j'aurai parlé, oui. Alors Jean, bienvenue à bord. Bienvenue. Dans ton village à Bourgueil, tout le monde était viticulteur, même ton père qui était bourrelier. Oui, oui, enfin tout le monde avait son petit pied de vigne. C'était pas encore une période où la vigne était aussi maintenant, c'était son grande propriété. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de petits viticulteurs. Quoique, ouais. Je connaisse dans certains coins des gens qui font une barrique de vin par an. Ouais. Ils sont mais des vins absolument extraordinaires, des gens qui font du vin pour leur plaisir et dont le goût est totalement le reflet de leur cœur, de leur passion de leur passion de la vigne et de la grappe, et qui font du vin complètement sincère et qui ne suivent aucune mode que la mode de leur goût. Tu dois être un grand connaisseur depuis tant que tu en bois du vin, non ? Non, tu veux goûter celui-là ? Oui, mais je peux goûter. Mais je sais que vous m'avez gâté, j'ai vu l'étiquette. Hein. Ça, c'est superbe. Ça c'est te plaît ? Sans faute. Ouais. C'est superbe, une grande année. C'est peut-être même un petit peu jeune. C'est un 82. C'est, dans 3 ou 4 ans, ça aura pris son ampleur totale. C'est-à-dire mais tu reviendras, si on est encore là. Oui, mais on sera encore là. Tu penses bien, oui. Parce que j'espère bien même être là plus tard. Parce que le 89 et le 90 sont splendides. Alors, il va falloir les boire dans 10 ans. Le vin, c'est une question d'émotion de l'instant. Comment dire, il y a des vins, je boirais ça par exemple le matin sur une bonne tartine de rillettes ou sur un casse-croûte, oui. C'est un vin ça. Du matin, ça. Oui, non, ça c'est pas, hein. Oui, ben, je boirais un petit vin, un Chenin de la Loire, un petit vin amusant, frais, un vin qui réveille, qui respire les senteurs, qui sentent un peu la mousse, qui sentent toutes les humidités du matin. Et puis après, bon, ben dans la journée, ça c'est un vin à boire, bon, peut-être à table bien sûr, mais peut-être à boire avec un copain comme ça, dans un après-midi de tête à tête où on va dire des choses intelligentes. On va refaire le monde. Oui, ouais. Ou des choses intelligentes ou complètement cons, ça fait rien. Mais enfin, qu'on va boire comme ça, un petit peu, le vin est bon. Les yeux dans les yeux, ouais. C'est ça. Ouais. Alors en parlant de copain, ton ami Depardieu, oui. Nous on le connaît comme acteur. Mais comme viticulteur, il se débrouille ? Ah, mais c'est pas, il se débrouille pas, c'est devenu un grand viticulteur. Il a appris la vigne au contact même de la vigne, en y mettant son cœur. Et il a eu envie de le faire, il y est arrivé. Et il le fait avec une recherche profonde, avec un goût.
Il ne fait pas un vin qui est un vin de, qui est un vin de charme absolu. Il ne fait pas un vin fabriqué. Il fait un vin qui a une véritable marche, un vin qui vous laisse quelque chose dans la bouche au premier contact, qui quelquefois n'a pas un nez terrible parce que le nez est souvent trompeur. Mais et c'est un vin qui a un joli retour, un vin poétique et vrai. On mord dans quelque chose, on mord dans la grappe, on mord dans le terroir et puis... C'est une religion, le vin, là. C'est pas une religion, c'est une chose, c'est comme les filles, c'est comme tout ce qui est bon à regarder, voir, ouais. C'est comme un beau coucher de soleil, comme une belle lune. Et dis-moi, Jean, pourquoi Depardieu, il t'appelle Jeannot Petit Bras, pourquoi? Parce que j'ai les bras courts. Bon. Ah bon? Ah oui, j'ai les bras, regardez ah tous oui, c'est mes vrai, trucs, oui. Là, ah oui, oui. En fait. Et là encore, on me fait des manches sur mesure. Encore, ça se voit pas trop, hein. Ça ne touche pas à l'infirmité, mais j'ai pas... Il m'appelle aussi les petites jambes. Il m'appelle aussi les petites jambes parce qu'il a des grandes jambes, lui. D'ailleurs, je le trouve totalement anormal physiquement. Quiconque dans la vie mesure plus d'1m65, mais a priori suspecte. Dis donc, c'est vrai que dans ta maison, dans le Gard, oui. La cour fait caisse de résonance, et quand ton voisin veut t'inviter, il débouche une bouteille, comme ça fait paf. Et c'est toi, pas... pour lui dire que tu acceptes, tu réponds quoi? J'arrive. J'entends le bruit de bouchon, paf, j'arrive. Oui, c'est j'adore ça. Cette histoire. Tu te balades toujours avec un tire-bouchon sur toi? J'ai un tire-bouchon sur moi, malheureusement. C'est un tire-bouchon, je ne dirais pas de parade, mais ça n'est pas un tire-bouchon qui va très très loin. Par exemple, pour déboucher cette bouteille-là, j'aurais peut-être eu du mal, parce que c'est un tire-bouchon, comme ça, il n'y a que... C'est un tire-bouchon à quatre... Ça vous intéresse peut-être pas, mais histoire. Ça les passionne, parce que comme moi, c'est bientôt le 31 décembre, tu vas, à mon avis, ils vont apprendre, là. Non, mais là, par exemple, pour qu'une bouteille soit bien débouchée, il faut quand même que le bouchon. Maintenant, il y a des tire-bouchons fabuleux dont on fait la publicité, qui ouvrent la bouteille comme ça, sans dommage pour la bouteille, mais il n'y a pas le bruit. Mais tu l'as toujours sur toi, tu n'es jamais pris au dépourvu. Oui, jamais. Quand je l'oublie, je suis malheureux, il me manque quelque chose. Pour moi, c'est pire que quand j'oublie mes clés ou mon mouchoir un jour que je suis en rue, mais un mouchoir, je me démerde toujours. Un peu, tandis qu'un tire-bouchon, avec les doigts, c'est plus dur. Une bouteille avec les doigts. Dis-moi, Jeannot. Tu serais pas un peu pochetron sur les bords? Tu m'appelles Ajano? Ouais, tu serais pas un peu pochetron sur les bords? Quoi? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, le champagne nouveau, est-ce que tu connais le champagne nouveau? Qu'est-ce que t'appelles le champagne nouveau? Bah tu vas voir, regarde. Tu vas me dire si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Les producteurs de champagne ont du vague à l'âme. Leurs exportations ont chuté et les Français trouvent le champagne trop cher. Pour relancer les ventes, un petit groupe de producteurs élabore depuis plusieurs années un nouveau produit. Après le Beaujolais, le Côte-du-Rhône et bien d'autres, le champagne sacrifie à son tour à la mode des vins primeurs. L'idée n'est pas nouvelle du tout parce qu'il existait au siècle dernier des champagnes de 40 jours. La seule idée nouvelle, c'est l'utilisation des technologies avancées. Avec la vendange de raisin très mûr, donc le choix du raisin, et essentiellement tout ce qui est autour du tirage avec des technologies nouvelles, avec des levures agglomérantes qui vont permettre des prises de mousse rapides et des remuages très rapides de l'ordre de 24 heures. À terme, c'est le marché de l'export qui est visé. Cible préférée, le Japon, qui raffole particulièrement des vins nouveaux. Mais cette année, Pierre Mignon n'a produit que 5000 bouteilles, juste pour connaître la réaction de ses meilleurs clients. C'est un vin qui coûtera environ 70 francs et qui en plus aura la possibilité d'être conservé. Ça sera un vin de garde, contrairement à la plupart des vins nouveaux. Pour avoir droit à l'appellation champagne, l'étiquette devra mentionner qu'il s'agit d'un vin primeur et préciser le millésime. Mais il restera à convaincre les gourmets professionnels de la qualité des nouvelles petites bulles. On est quelque chose encore très fermé, très, un petit peu très agressif. Ah merde. Ah mais c'est plutôt bon ce truc-là, dis donc. Petit nez, mais très très élégant. Saveur très rustique, sachant que nous attendons sur un vin primeur, hein, que ce soit un vin ou champagne, nous attendons une fraîcheur en bouche, quelque chose d'agréable, de pas trop dur, quelque chose de souple. Or là, il s'avère que c'est quasiment le contraire. Moi, je dois dire que je fais le réveillon de fin d'année avec ça. Ils partiront, vous voyez ce que je veux dire, mais le lendemain matin, parce que c'est ça le but. C'est que le champagne, souvent, quand il est trop dosé, c'est un champagne qui fait mal à la tête. Là, rien, il n'y a pas de dosage. Donc, ça se pisse et c'est bien. Alors, un champagne nouveau sur le marché pour les fêtes. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox?
Carmet à l'oreille. C'est une connerie. Alors maintenant, pendant que vous réfléchissez chez vous, pendant que vous tapez sur votre Minitel pour gagner des tas de cadeaux Philips, pendant que John Steed et l'homme invisible réfléchissent, on va écouter le cancan des Folies Bergères. Ça va être à toi de jouer. Mmh. Un champagne nouveau sur le marché pour les fêtes. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Pour moi, c'est de l'intox. Et toi, homme invisible? Je pense que c'est de l'intox aussi. Pourquoi? J'y connais rien au champagne, mais je pense que Jean-Pierre Coff est un très bon comédien. Ah bon, Jean-Pierre Coff, il n'est pas du tout crédible. Là. Bon, on va voir. Vous, le public, vous en pensez quoi? C'est de l'info ou c'est de l'intox? L'intox. Je connais un qui n'est pas à la fête, c'est l'expert Philippe Guérin. C'est de l'intox. Et voilà. Laurent, c'est quoi le score? Le score, ça fait un partout. Champagne pour tout le monde. Si j'y arrive... Champagne! Dis-moi, t'es dur à coincer sur le vin quand même, hein? Je suis pas du tout un professionnel. Ouais. J'ai pas de science profonde. J'ai pas de... D'ailleurs, pour rien, j'ai de science profonde, quoi. Finalement, je vis comme ça et je... Oui, comme disait Blanche, Carmé, c'est un malentendu, c'est oui, ça. Oui, exactement. Il y a un film, moi, que j'adore, que tu as fait, c'est Miss Mona, où tu faisais le Trave, un film de Mehdi Chaïf. Oui, de Mehdi Chaïf, oui. Un Travelot, t'étais oui. T'étais pas d'accord hein, pour le faire. Il a fallu qu'ils s'y mettent à plusieurs pour te le faire faire, ce film. Mais c'est-à-dire que quand on vous... Quand quelqu'un vous téléphone en vous disant « j'ai déposé un scénario dans ta boîte à lettres », lis-le très vite. Et je lis un scénario qui s'appelait Miss Mona, et je trouve ce sujet formidable, je trouve le scénario... Je dis ça très rapidement, parce que c'était un scénario très, très nerveux, et qui venait tout de suite en image. Et puis, Mehdi Chaïf me téléphone le lendemain, il me dit, alors, je trouve ça formidable, c'est bien de me l'avoir fait lire pour avoir mon opinion. Il me dit, non, c'est pour que tu joues. Mais qu'est-ce que tu veux que je joue dedans hein, ben, il me dit, Miss Mona. Je dis, tu te fous de ma gueule, et je raccroche. Moi, en travelot, c'était quand même pas... Moi, habillé surtout que c'était pas un travelot, c'était un transsexuel. Ouais. C'était donc un personnage qui devait avoir toute sa vraisemblance habillé en femme.
Et puis finalement, bon, je suis tombé sur des producteurs extrêmement persuasifs. Ils sont venus à la maison, hein, avec des talons Louis XV, des jupes, des perruques, tout ça, hein. Et j'ai senti le vent de la réussite autour du personnage quand on m'a passé un sac autour du bras. Ouais. Essayez chez vous, hein, même si vous êtes mal, hein. Mettez-vous un sac comme ça et vous verrez tout de suite, vous verrez on plus que par le talon Louis XV, ouais, ouais. Le sac comme ça sur l'avant-bras, vous avez l'air femme. Essayez chez vous. Vous non, mais ça c'est absolument... Non, mais ça, c'est absolument extraordinaire, et si bien que... Mais tu y as pris goût, le problème. J'y ai pris goût, mais c'est-à-dire tu y as pris goût. Non, mais c'est qu'après, tu voulais tout le temps être en femme. Non, pas être en femme, c'est-à-dire que je me suis retrouvé quand même dans le bois de Boulogne, allant aux asperges, hein, quoi, habillé en Marilyn Monroe. C'était ouais. quand même formidable. Mmh. Et j'ai rejoué dans ce film la fameuse scène de... Bah, de la grille. De la grille, la robe qui se soulève. De la robe absolument qui se soulève. Comme Marilyn. Absolument. Comme Marilyn. Absolument. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Mais toi, au départ, tu n'avais pas de tendance particulière pour le... Non, pas du tout. Non, rien du tout, non, non. Rien du tout. Absolument. Tu as déjà pas. Eu des expériences Non, alors écoute, alors là, si maintenant ça prend un... Non, mais je sais pas, moi, non, je c'est demande. La... Non, c'est pas une émission poubelle, je fous le camp. Là. Jean ah, non, 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 non. Jean non, non, absolument mais tu te vexes pas, pas. Ah non, il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai mais te pas. Te vexes pas. C'est sur ma sexualité. Mais c'est, jamais c'était comme parle. Ça, c'était pour faire un enchaînement. Oui, mais c'est un mauvais enchaînement, okay, alors okay. là, je ne peux pas, non. J'arrive! Ah. Ah, dis-moi, tu es un grand amateur de charentaise, non? De charentaise, oui. Est-ce que tu en as chez toi? Des charentaises, ouais. Oui, oui. Est-ce que tu as le chien qui va avec? Non, non. Parce que Jacques, quand on a des charentaises, on a un chien. T'as pas de non, chien, j'ai toi? Rien. Non, j'ai eu des chiens, mais j'en ai plus. Quoi, c'est à cause des puces? Non, c'est pas à cause des puces, c'est parce que ça meurt. Hein? Ça, je dis pas sa mort, mais je dis sa mort. Tu peux les perdre aussi. Oui, oui, j'ai un chat qui est parvenu, tout ça. J'ai plus d'animaux et je suis tout à fait rétif à l'idée d'avoir un animal parce que ça vous quitte. Voilà. Tu voilà. sais qu'ils font des puces électroniques pour chiens maintenant. Ah bon? Ou pour chats d'ailleurs. Ah bon? T'es au courant? Non, est-ce qu'on en fait pour hommes? Peut-être, tu vas voir, oui. regarde. C'est ici que DSC, dispositif sans contact, vient d'être mis au point. DSC, c'est le nom du programme dont est issue cette petite pièce de verre. Une invention qui va remplacer pour les animaux le tatouage classique. Puce ayant été injectée à l'animal, on va procéder à sa lecture à l'aide de cet appareil qui a la forme d'un pistolet, une batterie qui permet d'être autonome, un ordinateur intégré. Il suffit d'approcher l'appareil de l'animal, d'appuyer sur la détente et immédiatement l'identifiant de la puce est transféré dans l'appareil. Ce nouveau produit intéresse les vétérinaires au niveau européen, mais la SPA, elle, pour le moment, préfère toujours le tatouage. Il faudrait qu'un chien qui vient d'Angleterre, qui transite par la France et qui va en Allemagne, qui se perd en Allemagne, il faudrait qu'on puisse reconnaître son identification chez un vétérinaire ou dans une association de protection animale en Allemagne, ce qui n'est pas encore le cas. Vous voyez, c'est les ravissantes des filles. Jusque-là, justement, j'ai jamais eu de problème de perte de chien. Heureusement, j'en ferai une jaunisse, ma pauvre. Elle est tatouée, mais enfin, si l'invention de ce monsieur est utile pour tous les chiens et pour tous, je me renseignerai très bien. Je demanderai à mon vétérinaire si on peut lui faire la piqûre sur le cou, tout ce que vous voulez. Et puis, je ferai tout ça après. Hein, ça vous va? Mais il n'y a pas que les chiens-chiens qui vont être heureux en attrapant cette puce d'un nouveau type. En effet, celle-ci intéresse aussi les vétérinaires des zoos ou des parcs animaliers, comme par exemple Thoiry. Connaître individuellement les animaux permet vraiment de suivre la vie sur plusieurs générations. Et au-delà du marquage, il y a le traitement par ordinateur qui est très important. En connaissant mieux la descendance de l'espèce, de l'individu, on peut éviter ainsi des phénomènes de consanguinité et augmenter le taux de reproduction et éviter une dégénérescence de la race, puisque ce système est surtout mis en place, pour l'instant, sur des espèces en voie de disparition, dont la reproduction est essentielle. Pour les animaux, cette invention est synonyme de liberté. L'application pour l'homme n'est pas encore prévue, mais qui sait, un jour ou l'autre, on nous implantera peut-être notre numéro de sécurité sociale. Des puces électroniques pour chiens. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Jean Carmet à l'oreille. Une connerie. Alors maintenant, pendant que vous réfléchissez chez vous, pendant que vous tapez sur le Minitel pour gagner des tas de cadeaux Philips, pendant que John Steed et l'homme invisible réfléchissent, nous on va écouter le Gérard Badini Super Swing Machine in the Mood. Ouais.
Super Swing Machine in the Mood. Alors, des puces électroniques pour chiens, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? À toi de jouer. Je dirais que c'est de l'info. Et toi, John? Je pense que c'est de l'intox. Ah bon? Encore. Encore? Oui, oui. Toi, tu m'as dit que c'était de l'intox. Oui, oui, c'est de l'intox. Les morpions électroniques, ça existe. Je sais, mais... Et vous pensez que c'est quoi, alors, les puces électroniques pour chiens? Allez-y, je vous écoute. Bon, alors, l'info, levez la main. Ouais, pas mal, quand même. Et l'intox? Ouais. Bon, bah, on va voir, on écoute l'expert, Philippe Guérin. Philippe! Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est à toi, mon petit gars. Est-ce que c'est de l'info ou est-ce que c'est de l'intox? C'était quel sujet? Les puces électroniques pour chiens. Ah, bah, les puces électroniques pour chiens, c'est... C'était de l'info! Bravo! Ah! Et pourquoi c'est de l'info? Et comment? Pourquoi c'est de l'info? Ah ouais, ça, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai. Ouais. À ce propos, j'avais une petite suggestion à faire à l'inventeur de cette puce électronique. Est-ce qu'il pourrait pas y rajouter quelques petites informations du genre les goûts sexuels de la charmante blonde avec le teckel ou la couleur des sous-vêtements de la brune avec le Doberman? Il est con, parce que vous savez, c'est très 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 délicat d'aller fouiller sous la tronche du chien pour aller regarder le numéro de téléphone dans le collier. Et puis c'est surtout très dangereux. Bon, merci Philippe. Mais la puce électronique, c'est un truc pour détecter le chien. Oui, c'est comme une balise d'Argos pour les voiliers, oui. Ah si bon, tu veux. Voilà, moi j'ai mal. Alors, Bafi, quel est le score? Quoi? Le score? Je suis un peu largué, là. Bafi! 2-1 pour l'homme invisible. Jouez, jouez. 2-1 pour l'homme invisible. On applaudit l'homme invisible. Bravo! Il a du mal à sourire, hein, quand même. Dis-moi, Jean, aujourd'hui, tout le monde connaît Jean Carmé, l'acteur de cinéma, mais tu as fait du cabaret au départ, tu as fait beaucoup de cabaret. Oui, oui. Tu faisais quoi au cabaret? C'est-à-dire que j'entrais en scène et je disais, j'ai une vie très intéressante et il m'arrive toujours des choses. Tenez, par exemple, cette nuit, j'entends du bruit, je me dis, tiens, le chat doit être sous le lit. Je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve, le chat? C'est intéressant, hein? Oui. Et plus fort encore, tous les ans au mois de juin, j'ai le rhume des foins. Cette année, je l'ai maintenant, ça change. Il y en a qui tous les matins se lèvent à 8 heures. Moi, un jour, c'est 7 heures, le lendemain, 7 heures et demie. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de règle. Tout dans la fantaisie. Vendredi, au lieu d'un rang, je me ferai un merlan. Jamais la même chose. Et tu as eu du succès, ça? Je fais la connaissance d'une femme, je lui dis, venez passer la soirée chez moi. Elle me répond non. Encore un souvenir. Tu as toujours beaucoup aimé les canulars aussi. Oui, mais il m'arrivait. Mais c'est-à-dire que j'ai jamais prémédité un canular dans la vie. Mmh. Alors nous, on t'a fait un truc qui est complètement prémédité. C'est costard de star Laurent Baffy. Pour 10 secondes, on fait la scène finale. Non, mais dites-moi, qu'est-ce que bon, ils vous attendent depuis 2 heures, vous courez l'un vers l'autre et vous vous retrouvez enfin à la fin du film. On vous a jamais vu, comme ça nous évite, nous, de payer une comédienne. Bah Jean, c'est la scène finale, tu la connais, t'as picolé aucun hein? Non, c'est bourré, attention, quand je dis action, vous courez au ralenti. Hein. Action. Oh, ma chérie. Ok, c'est bon le mouvement. On fait la scène du baiser final. Sur la bouche le baiser, c'est la fin. On la refait une dernière fois, allez-y, action. Action. Et là, vous sortez la langue un peu. Tu verras pas les bactéries, hein. Attention. Allez-y, action. Tu verras pas les bactéries. Sortez la langue un peu. Tirez la langue. Encore la langue. Regardez la caméra. Voilà, sortez un peu la langue un petit peu. Allez-y, avec la langue un peu. C'est passionnant. Attendez, non, vous trichez, vous trichez. Jean, vous trichez. Mademoiselle, c'est pas évident, non, vous sortez. Voilà, mettez-vous menton contre menton. Stop, ne vous rapprochez pas. Sortez la langue à fond, allez-y. Vous aussi, Jean. Voilà, stop, restez comme ça maintenant. Love me tender, love me true. Vous voulez faire le figurant? Et c'est une petite scène hein, qui a pas de grande importance, et pour la compréhension du film, c'est très important. Il attend son fils depuis 2 heures. Attends. Et vous arrivez, et vous dites, c'est à ce temps-là que t'arrives. C'est tout. Ok? Ouais, moteur, action! Mais alors, c'est à ce heure-là que t'arrives? Mais papa, c'est pas de ma faute. Tiens! Non, t'as trop picolé ce matin. Non, genre. Et celle-là, c'est de ta faute, le texte? Action!
Alors, c'est à ce là que t'arrives ? C'est pas de ma faute. Et celle-là, c'est de ma faute ? Bon, serré, on fait la claque toute seule. Juste la claque. Que la claque, pas le tech. Encore. Encore. Ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas. Encore. Top. Ça va pour vous ? Non, enfin, moi je sais pas, je suis pas... Comment vous l'avez ressenti la scène ? Ben, je sais pas, ouais, j'ai senti assez bien, quoi. Vous connaissez Jean Carmet ? Jean, vous voulez faire... on a besoin d'un figurant pour la scène finale du film. Pour quand ? Maintenant, ça s'appelle j'en ai ras le béret. Donc justement, chercher quelqu'un qui a un béret comme vous, ok ? Vous payez ? Oui, oui, il y a un cachet, monsieur, c'est un cachet d'aspirine, vous allez en prendre plein la tronche. Action. Vous avez esquivé là, n'esquivez pas. Hein. Oui, mais arrêtez avec les réflexes, hein, sinon on va vraiment vous bourrer la gueule. Action. Love me tender, love me true. Non, elle a pas claqué la dernière. Allez, la dernière, vite, parce que là, faut qu'on tourne à la scène du viol avec monsieur. Vite, allez. Scène de quoi ? Ouais ! Laurent Baffy. C'est formidable. Co-star des stars. Ah oui, c'est formidable. Oui. Alors d'abord... Mais je suis très sensible à ça, je suis très admiratif d'abord de la façon dont c'est fait. Et il y a quand même une chose, c'est quand même la bonne volonté des gens. Ah oui, hein. T'as vu, c'est incroyable. Mais la bonne volonté des gens, je trouve que finalement le monde n'est pas tellement méchant. On quand on leur dit de se faire mettre des claques par Jean Carmé, finalement ils sont d'accord. Oui, là ils ont... Alors, c'est quand même... Est-ce que tu savais qu'il y avait un sosie ? Non, non, non. Il te ressemble, hein ? Oui, là... Ça te donne des idées quand la prochaine fugue que tu feras... Tu diras au réalisateur, écoutez, prenez mon sosie, moi je vais faire un petit tour. Mais il est pas... J'aimerais bien le rencontrer, ce monsieur. Moi. Mais on va peut-être te le faire rencontrer un de ces jours. Ah ouais, ça c'est étonnant. Comme c'est pas sacré soirée, il est pas là, si tu veux. Ça, t'attends pas à ce qu'il arrive, là. Non, ça c'est étonnant, ça c'est assez étonnant. Oui. Tu as dit, personne ne sait comment je vis. Si je suis marié, si je suis pédé, si j'ai des enfants, c'est vrai que t'es assez secret quand même. Ouais, t'as toujours enfin, cultivé le mystère et la fugue, non ? On peut pas dire la fugue et le contrepoint. Ouais. Non, mais ça... Quoique... Non, j'ai pas cultivé le mystère, ça s'est passé comme ça. Ouais. Tu as dit un jour, l'idée de perdre ma mobilité me terrifie. Ah, terrifie. Oui, ça, quand je ne pourrais plus partir. Je ne pourrais plus marcher, c'est-à-dire me tirer. Ouais. Quand j'ai envie de me tirer, de traverser Paris du nord au sud ou de l'est à l'ouest, de partir. C'est-à-dire que quand j'ai des espèces d'instincts de chien de chasse, hein, tout d'un coup, il y a des odeurs qui se manifestent et il faut que je suive les odeurs. Ça c'est, ou des odeurs ou des tentations. Il faut que. Et puis, c'est. La difficulté, justement, pour les gens qui vivent avec moi, c'est de bien connaître ça et de me laisser faire. Je ne vais pas obligatoirement vers le péché, hein, mais je peux très bien aller vers quelque chose de très... Vers ton côté contemplatif. Oui, toi. C'est ça, hein? oui. Mais alors, sur le plan de la vie privée, tu es très secret, et sur le plan politique aussi, parce qu'on n'a finalement jamais très bien su pourquoi... de quel côté tu penchais. Mais je penche pas, quoi. Ouais. Je pense pas. Ça t'embête d'en parler. Non, c'est pas que ça m'embête, mais j'en parle pas. Parce que... De toute façon, je suis pas. J'aime bien refaire le monde sur des choses abstraites. Mais je ne. C'est l'application qui est plus dure, oui. Oui, mais je ne reprends. Bon, je suis incapable de dire que telle politique est bonne ou mauvaise sur le coup. C'est-à-dire que je peux très bien raisonner autour de quelque chose, mais je trouve que j'ai pas les informations et la passion de ce terrain-là que je n'ai pas, ne m'oblige à être extrêmement... Mais en parlant d'application, par exemple, le communisme appliqué, ça n'a pas très, très bien fonctionné. Et est-ce qu'aujourd'hui, mais en voyant... Mais tout le monde y a cru, est-ce qu'en voyant, bien sûr, est-ce qu'en voyant ce qui se passe en URSS aujourd'hui, est-ce que tu regrettes pas un peu Brechnev ? Je ne pensais pas que ça se terminerait... Tu vois, si je me mets à penser, ça va être terrible. Hein. La pensée politique, c'est quand même une chose terrible, parce que je vais penser avec un manque d'informations inimaginable. Mais toutes ces centrales nucléaires, ces armes atomiques que tout le monde peut utiliser, ça te fait peur ? Ah ça... oui, ça a totalement peur. J'ai peur dès que ça fume. Quoi ? Tu sais comment elles sont protégées, ces centrales, en plus ? Non, elles protègent avec des puces électroniques. Comme des jardins belges, regarde. Un tout petit village à 25 km de Bruxelles, devenu depuis un an le haut lieu d'une fructueuse collaboration belgo-soviétique. Une toute petite société belge, représentée ici à gauche par son directeur, travaille pour une grande société soviétique dont voici la délégation. Ils créent ensemble des systèmes de haute protection. Un exemple, ce câble émetteur posé au sol, qui envoie une onde à cette antenne située à 80 mètres.
antenne elle-même reliée à un analyseur d'ondes. Le tout constitue un barrage immatériel. Lorsque le câble est franchi, la transmission d'ondes est perturbée, l'analyseur d'ondes émet un signal. Un système si efficace que les Belges l'ont vendu aux Soviétiques pour protéger des sites aussi sensibles que la centrale de Tchernobyl. Là, les câbles sont enterrés tout autour. Il a servi pour défendre les hélicoptères en Afghanistan et est utilisé pour la sécurité du Kremlin, avec d'autres détecteurs belges d'intrusion et de vibrations. On utilise cela pour des protections temporaires de 1 à 2 jours, pour différents objets, des avions, des voitures, des fournitures. On utilise d'autres systèmes avec la même technologie qui peuvent avoir différentes applications pour le nucléaire, les musées ou des sites militaires. En Belgique, cette société a trouvé d'innombrables débouchés chez les particuliers, par exemple. Un simple câble posé dans un buisson, on s'en approche, le signal se déclenche. Voilà le signal, je suis détecté. Pour les jardins belges ou les centrales nucléaires soviétiques, tous les systèmes de haute protection sont nés dans cet atelier minuscule, une PME de 5 personnes dont le patron cumule les trophées pour ses surprenantes inventions. J'envoie des ondes dans la terre, que j'envoie dans la sève, et qui rend la plante détectrice. Or, pour la rendre détectrice, je prends en mémoire l'environnement, et dès le moment où j'approche, la plante devient un système d'alarme. Et voilà. Alors, est-ce que les Russes protègent leurs centrales comme les Belges leurs jardins? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Carmé à l'oreille. Alors là, mais je vais parler, je vais parler quand même à voix haute, parce qu'on peut imaginer une chose, là. En tout cas, c'est un système d'alerte plausible, ouais. Disons-le. Ouais. C'est plausible, je crois même que ça existe. Il me semble même l'avoir subi à une frontière, ouais. Ce système-là. Mais est-ce de l'info, est-ce de l'intox? De l'intox, ce que je te raconte, là. Ouais. Quel menteur. Que je vais te dire. Mais attends, moi, à mon avis, je vous dis franchement... Hein, c'est peut-être pas la loi de l'émission, mais... Pas du tout, je vais te dire. Oui, c'est pas la loi de l'émission, mais à mon avis, ça ne s'adresserait pas à Tchernobyl, ça peut être vrai. Mais c'est l'idée de Tchernobyl qui me... Bon. Donc tu dis que c'est de l'intox? À moitié, parce que le principe est bon. Le principe est bon, mais le... D'accord. Laisse tomber, il est bourré, Thierry. Bah écoute, maintenant... Maintenant, pendant que vous réfléchissez chez vous, pendant que vous vous demandez si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, pendant que John et l'homme invisible réfléchissent, nous, on va écouter les valses de Vienne. Thank you.
Marseille de Vienne, à Pleyel, ce 3 janvier. Alors, John, ça va être à toi de jouer. Oui. Alors, je répète la question. Est-ce que les Russes protègent leur centrale nucléaire comme les Belges leur jardin? Je t'écoute. Pour moi, c'est de l'intox encore. Pour toi, c'est de l'intox? Encore, oui. Ouais. Et toi, même Je dis de l'intox aussi. C'est de l'intox aussi? Oui, oui. Et vous, public, vous pensez quoi? Là, vous êtes formel cette fois. Bon, Philippe, alors. Philippe! Oui? Oui, ici la fête bat son plein. Tout le monde est en train de sabler le champagne. Oui, Thierry, je t'entends très mal. Alors, ce réveillon, ça se passe bien, mon petit Philippe? Oui, très très bien. Alors, le coup des Russes et des Belges, c'est de l'info ou c'est de l'intox? C'est de l'info. Ah, ils sont tous plantés. Bravo! Bravo, Guérin. Ah, il vous a bien eu, là. C'est de l'info, mais c'est-à-dire qu'ils équipent, les Belges équipent le... Équipent les centrales nucléaires soviétiques, ça ne te rassure pas une seconde, ça. Moi non, mais c'est pas très rassurant. Philippe, est-ce que tu as un commentaire à faire? C'est de l'info et c'est bien que les Belges y se mettent enfin au champagne primeur. Quel est le score, mon petit Laurent? Ça fait 2-1 pour l'homme invisible, champagne. On applaudit l'homme invisible. Bravo, homme invisible. Je te dis, un jour, quand je joue un rôle de dégueulasse, et quand je rentre chez moi, je me frotte aux gants de crin. C'est vrai, ça? Oui, ça, c'est sûr. Ça, quand, ouais. J'ai joué beaucoup de rôles de personnages qui n'avaient pas l'âme très nette. Et véritablement, quand je rentre, non seulement je me frotte aux gants de crin, mais je passe... Plus le personnage est dégueulasse dans son aspect, plus j'ai envie de me mettre une chemise propre, très clean. Ouais. Toi, tu arrives à échapper à tes personnages, mais est-ce que tu crois qu'on échappe à son destin? Non. Non. Je sais pas, c'est une question que je ne pose pas. Il y a des mots comme ça que je ne prononce pas. Ouais. Le mot destin, par exemple, c'est comme le mot sérieux. Mmh. C'est un mot qui m'ennuie, le mot sérieux. Mmh. Tu crois aux astres? Ben, quelquefois, mais c'est... Tu lis l'horoscope? Mais oui, je lis l'horoscope, mais je comprends que je lis l'horoscope, mais jamais je ne vais chez une diseuse, chez une pitoniste. Jamais. Tu ne te fais pas tirer les cartes? Non. Et les lignes de la main, tu le fais? Rien du tout. Je ne passe pas sous une échelle, par exemple. Mais quand même. Oui, mais c'est très curieux. Parce que nous, on a un mec pour les lignes de la main. Qui est formidable. Formidable. Hein. Laurent Baffy, le Baffy Show. Je suis un disciple de Nostradamus et je vais vous faire les prévisions 92, d'accord? Montrez-moi votre main. Ok, vous êtes un jeune marié. C'est pas difficile. Vous êtes marié depuis une bonne trentaine d'années. Oui. Un homme. Ça, oui. Sinon, vous êtes fumeur. Ouais. J'en ai une dans la main, alors, donc... Voilà. Je vois que vous êtes une femme de couleur. Oui. De ce côté-là, pas de changement, hein. 7 petits-enfants. 5 garçons, 2 filles. Oui. Non, 3 filles. 4 garçons, 3 filles. Oui, 4 garçons. J'avais dit 5. Non. Non, attendez, soyez pas de mauvaise foi, parce qu'on pourra pas le faire. Hein. Vous avez, à mon avis, les cheveux crépus. Sexuellement, ça va bien, un peu la routine? Oui, ça peut aller. Bah, c'est pas non plus Broadway, hein. Travail, pas de changement, je vous crache dessus. Sexuellement, monsieur a tendance à être un petit peu rapide. Ah bah ça, je dirais pas. Surveillez votre mari qui est enclin à avoir des aventures, quand même. Hein. C'est le seul problème. Incroyable, ça. À mon avis, il va régulièrement voir des professionnels. Oh non. C'est du genre à coucher le premier soir. Le premier peut-être pas, mais... Vous êtes vaginal. Merci. Matinal, pardon. Vous n'êtes pas très fidèle. Ah si. Ah, je vois une aventure. Ah bah, vous avez de la chance et moi je la vois pas. Vous avez eu des expériences homosexuelles, des tendances un petit peu? Non, jamais. Ça va venir, hein. Ah bon. Vous aimez beaucoup apprendre toujours, hein. Oui. Et l'apprendre aussi. Et l'apprendre, oui. Vous aimez la bite? Oui. Avec une jeune fille blonde qui était serveuse également? Non. Ah, je vois un... Il n'y a jamais de serveuse blonde. Attendez, vous voulez nous excuser une minute? Non, c'est sérieux. Il vous trompe avec un homme de couleur? Ah ben, là, c'est charmant. À mon avis, c'est un amour de vacances, ça ne va pas durer. Plutôt? Vaginal. Ah ça... Si vous le dites. Ah, vous avez des tendances homosexuelles? Non. Non. Vous n'êtes plus homosexuel? J'ai jamais été homosexuel. Vous êtes plutôt vaginal?
Non. Quand même, vous aimez ça. Ah bon ? Une seule chose avec laquelle vous n'êtes pas en accord, c'est les tendances homosexuelles. Sinon, j'étais toujours dans le ton. Sinon, vous étiez dans le ton. Hein. Mais ça va vous arriver. Oui. Vous allez vous faire bourrer le cul très prochainement. Laurent Baffy. Ouais. Le Baffy Show. Tu as eu pas mal de hauts et de bas dans ta vie. Oui, mais tu j'ai oublié les bas. Ben, on va faire une interview up and down, par exemple. Ce que tu préfères dans le cinéma. En tant qu'acteur, le matin. Ouais. C'est-à-dire, j'adore le matin arriver sur un plateau. Enfin, quand tout s'éveille, j'adore me faire maquiller, mais j'adore le contact avec les maquilleuses et avec les gens du plateau et avec les copains qui sont quelquefois pas toujours très bien réveillés, parce que c'est un métier dans lequel on vit pas dans le confort absolu. Hein. Et on a toujours trop froid ou trop chaud. Et quelquefois, à 6h ou à 5h30 du matin, hein, il fait extrêmement froid en hiver. Et là, il y a des contacts très, très, très chaleureux. Et généralement, ce que j'aime le matin, c'est les plaisanteries qui volent très bas. Et bon, et ça a souvent trait à l'emploi du temps des maquilleuses pendant la nuit ou n'importe quoi. Hein, et ça part d'une réflexion sur leur œil ou sur n'importe quoi. On est tous dans un état catastrophique physiquement. Hein, parce que, mais j'adore ça, le réveil au cinéma. Est-ce que tu détestes dans le cinéma ? Rien, en vérité. Rien. Peut-être je déteste les rushs, c'est-à-dire que je déteste regarder le travail de la veille, parce que j'ai un très mauvais esprit critique. Et je n'aime pas la veille, on dit Madame Simone Veil. Hein. Enfin, non, ce qui te plaît le plus dans la vie ? Ce qui me plaît, c'est de vivre, hein, c'est de vivre. C'est de pouvoir vivre pleinement avec les cinq sens et quelquefois, en plus, vivre par substitution et vivre la vie d'un autre. J'ai l'impression que chaque fois que je vis la vie d'un autre, j'économise la mienne. C'est pourquoi je travaille beaucoup. Et ce qui te fait le plus chier dans la vie ? L'impression que c'est... Oui, quand je me fais chier, tout d'un coup, je me dis, tiens, je me fais chier. Ouais. Et alors là, vraiment, eh ben, je peux te dire... Ouais. Généralement, quand je dis je me fais chier, je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est une espèce d'ambiance qui m'envape, et tout d'un coup, tout me fait chier. Même ce qui m'a plu. Mais généralement, ça ne dure pas longtemps. C'est le temps qu'une hirondelle me frôle l'oreille, et puis hop, ça va s'en aller ailleurs. Ce que tu préfères en toi ? Le bas. Est-ce que tu détestes en toi ? Le bas. Le meilleur plat que tu n'aies jamais mangé. Moi, je sais ce que c'est. Le fromage de tête, tu vas dire, c'est non, ça, non ? Non, non, il y a un truc que tu adores. Oh, j'adore, j'aime beaucoup de choses. J'adore les harengs pommes à l'huile, par exemple, le bœuf mode. J'adore le bœuf mode. Non. J'adore les omelettes. Non. Ah, tu manges jamais tous les jours, oui. Je mange une omelette tous les matins. Non, c'est la matelote d'anguille au Bourgueil. Ah, la matelote d'anguille au Bourgueil, oui, ça c'est une... Ouais. Bah, c'est une institution, ça, oui. Est-ce que tu connais le poisson des profondeurs, les Octorus ? Non, non. Tu vas certainement interroger quelqu'un sur le trottoir, sur l'Octorus, non ? Écoute, regarde. Ouais, regarde, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas me dire si c'est de l'info ou si c'est de l'info, d'accord ? Fais gaffe, tu t'es beaucoup trompé, Jean, jusqu'à maintenant. Oui, mais regarde bien. J'aime bien me tromper. Oui, c'est pas grave. Depuis 3 mois, un restaurant parisien, le Merisier, propose une étonnante spécialité, le poisson pur des profondeurs, un nom qui, avouez-le, fait rêver. J'imagine que ce poisson est long, de couleur, transparent peut-être. Eh bien non, il est épouvantablement laid, comme tous les poissons des hautes profondeurs, les poissons sans soleil. Les Octorus a été découvert par hasard en 1988 au large des côtes d'Afrique. Il vit à 3000 mètres de profondeur et on le pêche très difficilement. Il est pêché à l'aide de chaluts. Il est repéré par sonar parce qu'il vit en grand banc. Et on lâche les chaluts, on les laisse plonger à 3000 mètres et on ramène ce poisson. Les bancs des Octorus sont très rares. Conséquence, le poisson est très cher. Il est vendu 1500 francs le kilo à Rungis, mais cela n'a pas découragé Jean-Paul Boiry. Bon, il a une chair qui est fraîche, qui sent la rareté, très certainement, mais qui n'est pas pollué. Donc ça vaut vraiment la peine d'essayer de le travailler. Cuite, la chair des Octorus ressemble à de la mousse, car les poissons des hautes profondeurs se déplacent à peine et ont peu de muscles. Une étrangeté que l'on est prêt à payer 280 francs l'assiette, et les clients sont plutôt contents. Au premier goût, ça reste dans la bouche. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais c'est très bon.
Nous avons voulu savoir ce que sentent des papilles expertes. C'est très souple. Très souple, oui, plus que ça même. Ouais, je dirais même un peu mou, oui. Oui, c'est ça. Mmh. Mais ça, c'est des essais qu'on fait. C'est intéressant d'avoir votre point de vue. Bien sûr, mais... Et ce sont des poissons qui sont pêchés dans des fosses. Et la rareté, ça se transmet de génération en génération. Et ça crée des produits quasiment mythiques. Ce poisson... On pourra peut-être le classer dans la catégorie du faux luxe. Le faux luxe est actuellement en train d'envahir notre société. Voilà. Un poisson vivant à 3000 mètres sur les tables des fêtes. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Jean Carmé à l'oreille. Il y a un poisson... Tu veux pas me répondre à l'oreille? Non. Alors, à ton avis, c'est de l'info ou c'est de l'intox? Le poisson à la mode, en ce moment, dans les bons restaurants parisiens, vit à moins 3000 sur les côtes d'Afrique. Non. C'est une connerie. Hein. Tu me fais aller là-bas pour me dire ça. Ouais, c'est... Bon, alors, hein, mes enfants, vous réfléchissez. Vous, chez vous, vous réfléchissez aussi. Vous tapez sur le Minitel pour gagner plein de cadeaux Philips. Et pendant ce temps, nous, on écoute Smaïn. Maintenant, les vedettes, c'est les présentateurs de télé. Ah ouais? C'est eux qui vous donnent l'humeur de demain? Bien sûr. Et alors, tu rigoles? Tu veux gagner ta vie, tu fais des jeux télé? La vérité, madame. Bien sûr. C'est pas des conneries. Tu cherches du boulot, tu fais sabatier. Tu veux instruire tes enfants? Bah, Dorothée. Tu perds tes clés, perdu de vue. Tu les as retrouvées matin bonheur. Si t'as une couille, tu la mets sur le divan. Et je m'excuse, et si t'as une deuxième bite qui pousse, tu vas la montrer chez De Chavannes. La vérité. Et si tu veux vraiment avoir les boules, alors là, ils ont tout prévu, hein. Ils font exprès. Moi, je dis, ils font exprès. Moi, je regarde la télévision, j'ai grandi avec la télé. Ils font exprès, je vous le dis. Ils veulent qu'on ait peur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Tous les soirs, à 20h, t'écoutes ça. Papa! Maman! Quoi? Hein? C'est ça la vie! Les guerres! Les catastrophes! Non! Pas possible! Non! Demain, on est vendredi! PPDA. PPDA, présentateur préféré des Arabes. Bah, tu rigoles la vérité? Moi, mon père, regarde PPDA. Bien sûr, regarde. Alors, regarde, il connaît bien. Hein. Après, tous les soirs, arrange ses feuilles, il te fait un gros sourire et il te laisse dans la merde. Et attention, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Et toi, pour changer les idées, qu'est-ce que tu fais? Après, tu regardes ça. Soirée sacrin, Jean-Pierre Foucu, bonsoir. Oh, ouais, oh, oh. Vous marrez, vous regardez aussi. Et regarde aussi, l'autre. Mais remarque, il est sympa, l'autre, là. Il ressemble à Sabatier. Il est la même soeur que Sabatier. Ouais. Sauf que Sabatier, c'est un élastique, l'autre, c'est un tendeur, carrément. Carrément, là. Mais je rigole, mais moi, je l'aime bien. Hein. Mon père, regarde Sacré Soirée. Mon père, vous regardez pas Sacré Soirée, vous? Vous regardez pas Sacré Soirée? Ah, c'est bizarre ça, tiens, regarde pas Sacré Soirée. Mon père, regarde. Hein. Tiens, mon père, il note tous les numéros de l'agence. Ouais. Mon père. Il note tous les numéros de l'agence. Il aimerait bien gagner, mais on l'appelle jamais. S'il gagnait au moins avec le pognon, il pourra installer le téléphone, mais on l'appelle jamais. Alors, homme invisible, à toi de jouer. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox, cette histoire de poisson, des profondeurs? Je dirais de l'intox. Tu dis de l'intox? De l'intox. Et toi, John? De l'intox aussi, ouais. Bon, toi ouais. Aussi, tu m'as dit de l'intox. Vous pensez que c'est quoi, de l'info ou de l'intox? Ah ben, le pauvre Guérin, c'est pas sa fête. Alors, Philippe,
Philippe! Qu'est-ce qui se passe? C'est de la faute de la tox, ton histoire de poisson qui vit à moins 3000. Attends, énumère le nom du sujet, s'il te plaît, je cherche le titre. Un poisson vivant à 3000 mètres sur les tables des fêtes. Vous attendez tous la réponse, hein? Ouais. C'est de la tox. Ah! Bravo! Bravo! Tu as inventé un poisson, toi, il s'appelait comment? Le bélugou? Le bélugou, ouais. Oui, avec Francis Blanche, un jour, on avait été dans un... on est passé devant une poissonnerie, puis l'idée comme ça nous est venue. On a demandé au poissonnier s'il avait du bélugou. Ouais. Mais comme ça, c'était pas totalement improvisé. Il nous a dit que je connais pas ce poisson-là. Et on lui a dit que c'était qu'on avait promis à quelqu'un de ramener un bélugou ce soir. Et on a fait la description de ce poisson. Hein. C'était un poisson qui avait des antennes comme une langouste, hein, qui avait un peu un corps de colin, hein, et qui, malgré tout, avait une espèce de tête, je ne dirais pas un peu une tête de rascasse. Hein. Ouais. Alors, on lui a fabriqué avec une queue de je ne sais quoi. Hein. Alors, on lui a fait fabriquer un poisson, ouais. On lui a fait fabriquer un bélugou. Bon, allez, Baffi. Baffi. Répugnant. Hein. Oui, il est répugnant, ce type. Laurent, quel est le score? Eh bien, c'est l'homme invisible qui a gagné par 3-2. Bravo, l'homme invisible. Bon alors, homme invisible, tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les cadeaux qui défilent et tu me dis celui que tu veux. Il a gagné une glace sans teint. Je dirais un téléviseur Matchline. Le téléviseur Philips Matchline 70 cm, effet surround, tri-standard PALSECAM NTSC, affichage sur écran avec menu utilisateur. Bravo! On l'applaudit! Toi, héros de série culte, nous t'offrons une autre série culte, c'est Le Prisonnier. Il y a plein de cassettes, il y en a au moins 6 ou 7. Bravo à l'applaudit John Steele. Alors dis-moi, Jean, tu as fait beaucoup de rôles de prêtre dans ta vie. Oui. Et même dernièrement, tu étais cardinal. Je viens de tourner un cardinal. Bah ouais, enfin, tu montes en grade. Un légat du pape, ouais. Dans la controverse de Valladolid. Ouais. Et c'est vrai que tu adores te balader en soutane. Oh non, ça, c'est une vieille histoire encore, ça. Il y a des choses. C'est des ragots, ça. Comme ça. C'est pas du tout un ragot. C'est-à-dire qu'il y a une période de ma vie où j'étais assez impécunieux, ouais. Et j'avais joué un rôle de prêtre, ouais. Dans un film. Ouais. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une soutane? C'est une forme de par-dessus. Ouais. J'avais pas de par-dessus, merci, salut. J'avais pas de par-dessus pour l'hiver, ça y est, j'ai touché le cheval. Hein. J'avais pas de par-dessus pour l'hiver, c'était à l'époque, ouais. Où je jouais les branquignoles. Et t'avais une, hein, soutane. Alors j'ai coupé le bas de la soutane parce qu'elle était longue, ouais. Hein, et je me suis fait, avec une couverture à l'intérieur, une doublure, ouais. Et j'ai vécu en soutane pendant tout un hiver. Et quand t'étais petit, c'est vrai que t'étais enfant de cœur? J'étais enfant de cœur, le vin de messe. Oui, bon, on va y aller. T'es le candidat idéal. T'es le candidat idéal pour la confession. Viens avec moi, Jean Carmé, au revoir. À la semaine prochaine. Viens, Jean. Tirons-nous! Est-ce que tu crois en Dieu? Certains jours, oui. Mais j'y ai beaucoup cru à un moment. J'ai eu une période sulpicienne dans ma vie, mais totalement naïve, avec les images et les séraphins. Et puis. Quand ces images-là se sont estompées de temps en temps, je me laisse aller à des idées d'infini. J'ai des copains astrophysiciens et c'est eux qui sont pas obligatoirement, qui ne parlent pas obligatoirement au nom de Dieu, qui m'entraînent dans des univers d'infini dans lesquels on rencontre des puissances non identifiées. Est-ce que tu penses que tu mérites l'absolution? Je me la donne, en tout cas.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous ont présenté Double Jeu. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.